Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve pour le sixième jour des ouvertures, donc de mes calendriers de l'Avent. Alors, Scrap Didi, Daphné Diary et Yankee Candle. Donc, on va commencer par le Scrap Didi. Voilà, toujours dans des pochettes crafts. Donc, moi, j'avais le calendrier de l'Avent douceur. Voilà, donc, est-ce qu'il y en avait plusieurs. Plusieurs sortes, on va dire, de calendrier de l'Avent. Moi, j'ai pris celui-là. Bon, je vais essayer de. Bon, le numéro ici, je pense que je l'ai. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, je dirais un tampon, je pense bien. Voilà. Alors, c'est un petit tampon. Ah, il est sympa. Avec des petites bannières comme ça. Il est vraiment sympa. Voilà. Voyez plus près. Magie, bonheur, souvenir. Voilà, un petit tampon. Bon, c'est des petits tampons roses hein, de chez Scrap Didi. Donc ils sont petits, mais bon, c'est mignon à mettre dans un mini. Voilà. Donc pour Scrap Didi. Alors on va faire le Daphné Diary. Donc je vais le coucher comme à l'habitude parce que comme c'est grand. Je fais comme ça. Hop. Alors, le 6. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Hop. Et là, on a. Ah, c'est sympa. On a des petites étoiles. Vous voyez? On a des petites étoiles comme ça, avec un petit trou. Est-ce qu'il y a le petit trou? Voilà, ici, avec le petit trou là, voilà. Et on a de la petite cordelette, donc on peut imaginer de les suspendre. À chaque fois, on a un petit morceau de cordelette, donc pour pouvoir les suspendre. Alors, ça peut être mis un petit peu n'importe où, ça peut limite être fait un peu pour les emballages cadeaux. Ça fait office de petite étiquette, pourquoi pas, avec le petit prénom de la personne à qui on va offrir le cadeau. Ça peut être sympa. Peut-être que je vais faire ça, tiens, pour mes cadeaux de Noël. Donc voilà pour le Daphné Diary. Voilà, hop, on va la redresser. Et là, Yankee Candle, mes bougies. Ce soir, j'en allume une. Je ne sais pas encore laquelle. Le 6, il est ici. Ah, c'est une petite, le 6. Ça, à mon avis, ça va être une bougie chauffe-plat. Hop. Ouais, voilà, c'est une bougie chauffe-plat. Parfois, pour les faire sortir dehors, hein. Ils sont coincés dedans. Elle est bien coincée dedans en plus. Allez, je vais essayer de la voir. Ah, ils sont. Ah, elles peuvent mal de s'échapper. Hein. Je vais y arriver. Ah, voilà. Ah, ben, je l'ai un petit peu mis de la bougie sur mes doigts. Voilà, c'est une petite bougie chauffe-plat rose. Voilà, ben, ça sent la rose. Hein. Voilà. C'est à mettre dans mon petit présentoir, mon petit photophore que j'ai reçu en début de calendrier. Donc voilà, une petite bougie chauffe-plat. Elle est moins grosse que d'habitude. Mais bon, voilà. Je vais la garder pour l'utiliser avec mes cachets de cire. Ça, on va bientôt faire ensemble aussi. J'ai envie de réaliser les cachets de cire avec vous. Et donc, je vais la garder pour mettre dans mon petit. Dans mon petit appareil là pour faire chauffer ben, la cire hein. Donc je vais la garder pour ça. Donc voilà pour mes ouvertures de calendrier de l'Avent du jour. On se retrouve demain donc pour le jour numéro 7. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.